Impliqué dans les derniers scandales qui secouent le monde de la construction, nous recevons avec nous ce soir M. Tony Cappuccino. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur Cappuccino, vous êtes propriétaire de la firme de construction Expresso La Démolition. C'est. Et vous auriez été récemment impliqué dans un scandale de pot de vin. Non, 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 pas de pot de vin, pas de pot de vin, non. Bien, il me semble qu'on vous aurait vu à la Ville de Montréal remettre une enveloppe brune à un fonctionnaire municipal. Non, non, enveloppe brune, non, non, pas d'enveloppe brune, pas d'enveloppe brune, non, non, Pas non, d'enveloppe. non, non, non. Ah, bien, peut-être pas votre firme, mais dans le monde de la construction, il y aurait quand même un gros problème de corruption. De la corruption, de la corruption, de corruption. De corruption. Les gens donnent de l'argent aux élus pour avoir les contrats. Non, 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 les contrats, nous avons les contrats par les soumissions. Les meilleures soumissions, les contrats, pas de corruption. Meilleure soumission. Il n'y a pas de corruption dans le Non, monde. non, non, pas de Il n'y a pas de corruption, cas. non. Il n'y a pas. Il n'y a pas de. Ah, ben, mon Dieu. Ben, finalement, il semble visiblement qu'il n'y aurait pas de problème de corruption dans le monde de la construction. Bon, eh bien, mon Dieu, ceci met fin au débat et qu'on vous souhaite à tous une belle soirée. Hey, ciao. Pas de corruption, pas de corruption. Elle, bon, j'aime pas bien ça, les filles aux cheveux courts, là. Ah, celle-là est vraiment chic, ça. Je vais regarder pour la fin. On m'a essayé sur d'autres avant. Bon. Ah ouais, tiens. Ouais, celle-là. Bon, par quoi je commence, là? Bon, je pourrais dire que j'ai regardé son profil, puis que je la trouve bien cute, puis... Ah. Ah, mais là, elle me répondrait que je suis donc bien superficiel, puis que c'est tellement pas juste l'apparence qui compte, là. Bon, d'abord, je pourrais dire que... Bon, qu'elle a l'air bien fine, tu sais, puis bien brillante, tu sais, puis... Ben, et là, elle va me dire, t'es qui toi pour dire ça, t'sais, tu me connais même pas, t'sais. Fait que là, je vais dire, ben oui, mais justement, t'sais, c'est pour ça que je t'écris, pis t'sais, pour qu'on se connaisse, t'sais. Pis là, ben, elle va me dire, t'sais, t'es sûrement un gars en manque, là, qui cherche une fille à fourrer, là, comme toutes les autres, là. Pis ça vaut-tu la peine qu'on se connaisse, là? Pis là, ben, t'sais, je pourrais répondre que oui, là, ça vaut sûrement la peine, là, t'sais, je suis un gars charmant, aux yeux bruns, t'sais, pis... Ben, bien bâti, là, t'sais, pis gentil, t'sais, pis des affaires de même, là. Puis là, elle va me dire, mais tu sais, pourquoi tu te décris, tu sais, je le vois bien sur ton profil, tu sais, de quoi t'as de l'air, coudon, t'es-tu innocent ou quoi, là? Fait que là, je vais y répondre, mais non, je suis pas innocent, là, tu sais, les informations sur mon profil, ça te montre pas ma personnalité, là. Puis elle va me dire, OK, mais dis-moi donc ce que tu fais dans la vie, là. Fait que là, je vais dire, ben là, j'ai pas de job là, mais tu sais, elle va me dire, ben comment ça, t'es donc ben loser, tu sais. Fait que là, ben, je vais lui expliquer que je me suis fait slacker, pis que ça veut pas dire que je suis un loser, tu sais, pis c'est à cause de la sacrament de crise économique, là. Coudonc, elle suit-tu l'actualité, elle, ciboire, pis bien oui, les filles peuvent bien nous accuser d'être superficielles, mais elles sont toutes un esti de gang de plot à cash, pis moi, ben, j'en ai pas de cash, fucker, pis. Faut non chier, crise de bitch!